Eh, hey, bonjour les copains, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la patate, parce que nous, nous sommes au... Taquet. Et là, aujourd'hui, il y en a deux qui suivent, ça fait bien plaisir. Il y a monsieur Adrien qui m'a invité sur son bateau, et ça fait plaisir parce que Adrien, on se connaissait pas, on se connaissait par les réseaux, mais on n'avait pas le plaisir d'avoir pêché ensemble. Donc ça, c'est fait. Et en plus de ça, je suis revenu sur une zone où j'avais pas pêché depuis longtemps, et j'ai pêché à dorade, ce que j'avais pas fait non plus depuis très longtemps. Bref, il y a du poisson, je vous laisse regarder tout ça, et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve plus tard. Ciao, ciao. Il y en a. Bon, c'est le boss du coin qui ouvre le score. Normal, normal. C'est pas très gros. C'est pas grave, c'est pas grave. Le score a ouvert. Et voilà, un petit barçonné. Et un petit. L'important, c'est pas la taille, c'est le plaisir. Exactement. Ah non, c'est ça. Mais... Ah. Ouais. Démonstration. C'est tout petit encore. Ah ouais, là on est dans le pins de pins. Bon, c'est bon pour l'avenir quand il y a des petits poissons comme ça. Eh ben le voilà, le petit poisson. Le voilà. Pas gros non plus. Mais c'est un poisson. Ça monte en taille. Ouais, un peu plus gros. Un petit peu plus gros. Ouais, sur le petit slaguilo que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Ouais, il va encore dire que c'est à cause de nous qu'il pêche pas. Ah là 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 là. Je vois bien que vous lancez. Mais non, mais on te donne une excuse pour expliquer que t'en prends pas. Bon, ça fait du bien de prendre un petit poisson en linéaire. Vous avez d'être sur linéaire slug. Je dis ça pour Fred, c'est pour l'aider. S'il a du mal. Voilà, moi j'étais là-dessus, le petit slugilo, le caperlan. Yes, je l'ai vu. Je l'ai vu. Un mini. Un mini bar. Sur un petit fire reel 13 cm en natural sprat. C'est tout bon ? Ouais. Il n'y a plus de capot à bord. C'est bon ça ? Les cuisettes ? Il y a de la moule au fond. Ah, c'est bien, tu pêches les moules. À la pêche au moule, moule, moule. Bon, je sens que ça va être la petite sortie normande. Si vous voyez ce que je veux dire. Quoique les Bretons sont au niveau là-dessus. Voire même au-dessus des Normands, je pense. En tout cas, toute la flotte qui vient d'ici, elle est d'abord passée en Bretagne. Moi, je dis ça, je dis rien. Je vais encore avoir plein d'amis. J'aime bien avoir des amis. Bon, c'est bien, je vais pouvoir tester les nouvelles fringues Gill. Avec le petit système Explore, il paraît que l'eau, elle coule dessus et ça rentre pas. Je pense que je vais bientôt le savoir. Hop, elles m'ont grillé mes coques. Les jolies dorades grises. Ah, j'ai oublié que c'était une épave. Merde. Ouais, oh non, pareil. Oh, taco. Putain, un poisson. Bon, Adrien, c'est le roi de la dorade. En même temps, vu ce qu'il met au bout de la Ah bah oui, d'accord. Doublé de dorade. Ah. Première dorade ou pas? Vous en pensez quoi? On va savoir ça rapidement. Eh ben voilà, première dorade qui ressemble à un taco. Petit taco. Il y a encore un peu d'écho. Moi j'aurais une grosse dorade comme t'as dit tout à l'heure. Elle serait parfaite dans mon four avec des petites tomates, des petites patates. Ça va venir. Voilà. Le doublé. Le petit doublé. Allez. On s'appuie beaucoup, c'est normal, c'est la canne ténia, hein, le petit silicium. C'est du poisson qu'on met au fond. Ouais, je pense. Ouais. On est le petit dorade. Hop. C'est les bébés, on va aller chercher les grands-mères.
joli. Ah oui, c'est plus joli. Je pense que c'est plus joli. C'est un jeu de patience, ces bestioles-là. Ça me paraissait plus joli, mais non, c'est pas plus joli. Comment j'ai pu penser que c'était plus joli? Pareil, c'est plus joli, ça a des couleurs. Bon, un petit montage à dorade, hein. Je m'embête pas. Merci, monsieur Flashmer. C'est tout fait, c'est des petites billes, comme ça, ça fait de la couleur, ils aiment bien. Un petit madaille au bout, on sait jamais, on est près d'une épave. Et d'ailleurs, il y a un bateau qui a fait un lieu à côté de nous. Donc voilà. Paco, dorade. Voilà, dorade. Non? Oui. Voilà. On est abonné au poisson ensemble avec Adrien. Fred, lui, il fait la gueule. Et puis, vous m'avez mis tout seul devant. Ouais. Et moi aussi, elle est la plus belle. Parce que j'ai des sacrés coups de tête. J'ai des sacrés coups de tête, c'est con ça. Ouais. Oh. Oui. Plus joli. Parce que j'ai mis un truc décathlon. C'est plus joli. Ah, c'est beau ça. Allez. Le petit doublé. Le petit doublé. J'adore les couleurs de poisson, c'est juste magnifique. Qu'est-ce qu'il nous fait le monsieur? Alors il nous fait pas beaucoup de poissons, mais quand il en fait un... Si on prend l'épave. Ça envoie. Voilà pour rigoler. Ouais. Il nous aurait bien fait un bar, je pense, non? Qu'est-ce que c'est? Très grosse dorade. Très grosse dorade. Et il va venir m'emmerder. Faut que moi je fasse quoi. Très joli dehors. Ah voilà. Ah non mais voilà. Il a trouvé ce qu'il n'y avait pas. Il y avait un truc qui n'allait pas. Et il l'a trouvé. Bravo monsieur Fred. Elle est jolie. Elle est très jolie. Voilà, je fais du film et je rate les poissons. Bien fait pour toi. On peut pas tout faire dans la vie. On regarde bien comment t'as fait ta dérive. Mais... Ouais. On va la refaire comme ça. Ouais. Ah yes. Ah je confirme. Plus grosse ici. Ah, j'aime bien quand t'appuies comme ça. Petite camtenia comme ça, illicium là, est vraiment parfaite pour ce type de pêche. Une belle réserve de puissance quand il y a des grosses. Elles sont belles. Ah, une dorade plus un taco. C'est bon? Ouais, ça devrait être. Doublé! Le doublé qui tue, le taco et la dorade. Tu peignes le blanc, quoi. Oui? Tu peignes le blanc, ton blanc qui est peint. Bah ouais. Du coup, ça te brise un peu la canne. Elle est petite, mais elle m'a fait une sacrée cartouche, celle-là. Ou alors, elle avait une copine avec elle, peut-être. Qui a peut-être perdu en cours de route. C'est possible. Allez, file, cherchez maman. Elles sont là, les mignonnes. Elles sont là. Où est le... Ah bah là, c'est pour des deux côtés. Ah ben. Bah... Non, des fois, ça fait des... Des touches d'enfer et puis c'est mini poiscaille. Ah là c'est pas un mini poiscaille. Ouais, mini. Ah et sur le madaille. Ils sont pas s'énerver. Sur le madaille. Un petit madaille de chez Kawan. On peut même pas manger tranquille. Tu laisses ta canne traîner et voilà. C'est temps d'arrêter des touches, des poissons. Oh, qu'est-ce que c'est fatigant la pêche. Oh, tiens pas trop. Ouais, j'ai une presse avec aussi. Tout ça pour ça en plus, franchement. Petite lame vibrante. Ça me donne des idées. Coloris. Coloris clown.
Coloris clown. Poisson bleu clown. Tiens, Fred, tu peux mettre dans le vivier pour l'instant. Voilà. Voilà le petit Fire Hill, la nouvelle couleur Galactic Pink. Il adore passer à la télé, maintenant. Il a dit well, monsieur. Oh putain, t'as vu derrière mon leurre, hein? Ouais. Faut voir, c'est des orphies. C'est joli, petit bar. C'est vraiment tout petit. Oh, le culé. Il est là, c'est intéressant. Ouais, le sondeur il en peut plus, il chante. Si c'est, quelqu'un sait comment on retire le son sur un hook 7. tous les petits bips là, c'est le fish ID. Qu'on n'arrive pas à déconnecter. Ouais, poisson. C'est l'expression ça. Je suis obligé de me coucher pour qu'on puisse voir son poisson, je peux pas pêcher. C'est comme ça, il m'empêche de faire du poisson en fait. Ils ont l'air d'avoir envie des vibrations. Alors on va leur mettre un petit planté de bâton. Un petit Agivibe. 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 Le Capernaum. Et ça, ça fait beaucoup de vibrations. On va voir si ça marche. On va voir. Ça se lance super bien, super loin. Bon, une petite pêche sur 6 mètres d'eau. Allez, poisson voilà. Devant. Il est énervé, le Fred, il est énervé. Il a trouvé le leurre, là. Je dis pas poisson, vous entendez juste mon moulinet chanter, c'est ça. Oh. Ah, il est pas vilain, celui-là, je crois. Ouais. Ah ouais, là, il y a pas de... Tu veux la... Ah oui, il y en a deux. Là, je vais plus pouvoir pêcher, parce que je vais faire des photos. Coffret. Voilà. Le petit leurre qui va bien. C'est quoi? Le petit. Si j'arrive à le retirer sans trop enlever. Ah, mais là, je peux plus. Là. Le petit zan de fat. Bonjour, il y a tout le monde qui fait le poisson sauf moi. Poisson! Sur mon petit Agivibe. Je me doutais bien. Attends, t'as vu le bar derrière? T'as vu ce qui a sauté? Il devait être fini. C'était liquide? Ouais, ça devrait aller, je pense. Regarde, t'as vu le bar qui avait? Voilà, il y a un bar et il y en a un ptio qui joue avec. Bon, on va pas passer la journée non plus. Hein. Et voilà, Agivibe. Sympa ce petit leurre. Franchement, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps dans un numéro de Tendance Pêche. C'est vraiment un leurre à avoir. Ouais, poisson, juste derrière. Pendant qu'on décroche un, on en prend un autre, c'est juste une folie. Donc en fin de dérive, il va falloir relâcher un peu de monde parce que là, il y a du poisson. Bon, Adrien, lame vibrante, je crois qu'il est convaincu. Lame vibrante. Il est convaincu. Coloris uniquement disponible au poisson bleu. Poisson bleu de Wisreham pendant que, attention, et c'est reparti. Zan de fat avec la petite tête Zamac sans plomb. Voilà, il n'y a pas de plomb là-dedans. Donc comme Fabien en perd beaucoup, ça pollue pas la nature. Oh, tu en as perdu combien?
La cartouche qu'il m'a mis, lui. Petit coquin. Toujours sur la G-Vibe. C'est dommage, j'ai oublié mes bleus, j'ai que les blancs. Je suis sûr qu'au bleu, ça aurait été mieux. Mais au blanc, c'est déjà pas mal. Hop. Bon, animation sur ce leurre, super dur, linéaire, toujours tout droit. Juste avec des petites accélérations et vous pouvez faire des pauses puisque c'est un leurre coulant. Donc ça lui permet de redescendre un petit peu dans la couche d'eau. Et d'ailleurs, le précédent bar, c'est comme ça qu'il a pris. Donc aujourd'hui, je vous rappelle, hein, un G-Vibe, on peut l'accrocher par le museau ou par le dos. Donc là, comme j'ai vu qu'Adrien faisait du poisson à la lame vibrante, accroché par le dos, vous avez plein de vibrations, accroché par le nez, des grands zigzags. Oh bah il fait des sauts comme le tarpon. Un bébé tarpon. On va se replacer les gars. Et écoutez-moi ça. Ça aussi ça peut faire la différence. Allez, on se fait un petit point matos, un petit point sur les combos du jour. Les combos du jour, il y en avait deux. Pour la dorade, petite canne Illicium Tenia Illicium 500 en 2,50 m. Donc ça, c'est vraiment bien pour la dorade. C'est une 10-30 en lancée et une 20-80 en verticale. Donc avec suffisamment de réserve de puissance pour les belles dorades. Donc ça, c'était vraiment top pour la pêche au Tenia. Et pour le bar, allez, à 80%, c'était l'Illicium 900, donc en 2,25 m, la 7,28 m. Un tout petit peu la 15,45 au départ, mais surtout cette canne-là. Un moulinet 4000 que vous trouvez déjà dans le commerce et un moulinet 3000 que vous trouverez bientôt dans le commerce, l'Illicium 500 qui est vraiment top, cette nouveauté qui va bientôt arriver, vraiment extra sur la 7,28 m, c'est vraiment top pour des petits leurres. On a pêché sur des grammages entre allez, 5 et 20 grammes à peu près, on est sur très 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 peu d'eau. Et puis, les leurres, vous les avez vus au fur et dans la vidéo, la G-Vibe, le Zanfat, le Slugilo de Caperlan. Bref, voilà, il y a eu pas mal de leurres, des poissons actifs, ils voulaient pas mal de vibrations. Adrien, lui, était plus sur la lame vibrante d'Ilex, lame vibrante, etc. Enfin voilà, il y avait un petit peu pour tous les goûts aujourd'hui et c'était vraiment extra. Et la dorade, on s'est beaucoup, beaucoup amusé. Voilà pour les petits combos du jour. Et voilà les copains, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Si elle vous a plu, le petit pouce bleu parce que j'adore. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Enfin bon bref, vous connaissez tout ça. Bonjour, ciao les copains. Et à très bientôt pour une autre vidéo. Kakaï. J'ai dit quoi là? Bye bye.